Alors, là, mes meneurs sont à droite. J'ai fait toutes les rangées. Et là, à droite, il va falloir que je fasse mon crochetage pour la première fois. Donc, j'ai enlevé toutes les épingles du bas. Je place mon crochet dans le trou de droite. Je fais ressortir le fil meneur et je passe l'autre fuseau de la même paire dedans. Ensuite, je remets l'épingle et avec les meneurs, je retourne à gauche. Là, vous pouvez crocheter à gauche. Donc pareil, vous passez le crochet dans le trou de l'épingle, vous ressortez le fil meneur, vous faites une boucle et vous placez l'autre fil de la paire meneur dedans. Vous mettez l'épingle et vous allez à droite. Là, vous faites une torsion et vous allez mettre l'épingle au milieu de la partie marron ici. Ensuite, vous allez prendre les trois dans votre main et finir en rouloter là, comme on a vu précédemment. Ceux du milieu, vous allez les finir deux par deux. Et les quatre à gauche. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez tout simplement couper, enfoncer les épingles et avec la laque de fin, ça tiendra. Ensuite, je vais vous montrer le crochetage des deux jambes ici. Je vais vous montrer le crochetage aujourd'hui de ces deux parties afin que vous puissiez les faire dans la journée. Et ensuite, demain, je vous montrerai comment on les arrête. Alors ici, j'ai enlevé donc les quatre épingles. Complètement à droite, je vais mettre la paire de meneurs. Mettez bien le rognon sur les épingles, comme ça votre fil n'accroche pas. Toujours dans le même trou, vous mettez une deuxième paire. Ensuite, dans le trou d'après, vous mettez une paire. Dans le trou encore après, vous mettez encore une autre paire. Et pour finir, la dernière paire, on la met dans le trou qui est juste à côté. Alors, soyez bien en face de votre travail et je vais remettre les épingles au bon endroit. Donc, on a dit les meneurs sont à droite, complètement à droite. On fait le point ouvert. Donc, mes meneurs sont à droite. Je vous le rappelle, le point ouvert, c'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. J'en laisse 2, j'en reprends 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. J'en laisse 2, j'en reprends 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et ainsi de suite, jusqu'au bout.
Une fois que je suis au bout, je fais une torsion sur mes meneurs et je mets l'épingle tout en haut à gauche. Et je repars à droite, point ouvert, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je fais une torsion et je mets l'épingle. Tout ça, ça doit être acquis si vous en êtes ici. Vous avez regardé les vidéos précédentes. Ensuite, on va voir maintenant, donc il va falloir faire déjà tout ça jusque là. Donc la suite, je vous ai dit que je vous le montrerai demain et je vais vous montrer comment faire le crochetage ici. Alors ici, j'ai enlevé les épingles qu'il y avait en haut. Les meneurs, on va les mettre à gauche parce que là, le premier point, il est tout en haut à droite. Dans le même trou, vous allez mettre une deuxième paire. Ensuite, vous pouvez remettre l'épingle. Dans le trou juste à côté, vous mettez une paire. Vous remettez l'épingle. Dans le trou encore juste à côté, vous mettez les deux dernières paires. Alors, on a dit, les meneurs sont à gauche. Meneur à gauche et je vais à droite. Point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Vous auriez pu les mettre en torsion une fois avant, c'était possible. Donc là, vous arrivez en bout de rangée, vous faites une torsion et vous mettez l'épingle tout en haut à droite. Ensuite, vous retournez à gauche, point ouvert. Point ouvert, point ouvert, et pour finir, point ouvert. Je fais une torsion sur mes meneurs, je mets l'épingle et je retourne à droite. Point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Une torsion, une épingle. Et ainsi de suite, vous faites la même chose en suivant le dessin jusqu'ici. Et je vous retrouve demain pour la suite.